C'est la seule école de catch de la région et elle est à Villeurbanne. Elle a été créée par Stéphane alias Yvan le Terrible. Moi, je suis arrivé au catch. À la base, je voulais devenir cascadeur. Cascadeur pour les bagarres, sauter des chutes de hauteur, sauter d'une voiture. Donc, tout ça, pour apprendre à faire ça, il fallait apprendre à chuter. Les cascadeurs au cinéma, les premiers cascadeurs, c'était des catcheurs. Il fallait un gros sac pour tomber dans les marches. Ils allaient chercher des catcheurs parce que les catcheurs savaient tomber. Et en fait, moi, je me suis mis au catch. J'ai commencé en 98. Je me suis mis au catch pour apprendre à chuter. Très populaire aux États-Unis, le catch reste marginal en France. Le catch que l'on voit à la télévision, effectivement, c'est un catch de spectacle. Et en Europe, et particulièrement en France, on est encore à du catch sportif. Donc nous, dans notre école, on apprend les deux, quoi. Moi, c'est la voltige, surtout. Après, voilà, il faut tout, de toute façon, dans le catch. Et c'est suivant le gabarit. Moi, je ne suis pas très grand, et j'ai toujours aimé la voltige et tout. Il faut également créer son personnage et jouer son personnage, parce que c'est vraiment comme un acteur, quoi. On joue son rôle sur le ring.